28 mai 2024, mesdames et messieurs, bienvenue sur une minute dans le monde depuis le studio Rika Madougou. Démarrons avec Israël qui aurait bombardé délibérément un centre pour personnes déplacées près de Rafah dans le sud de la bande de Gaza dimanche 26 mai 2024, tuant au moins 35 personnes selon les autorités palestiniennes. L'armée israélienne dit pour sa part avoir frappé un complexe du Hamas dans lequel opéraient d'importants terroristes. Je cite, cet atroce massacre perpétré par les forces d'occupation israélienne est un défi à toutes les résolutions internationales. Fin de citation, a écrit la présidence palestinienne dans un communiqué. Elle a accusé Israël d'avoir délibérément visé le camp de personnes déplacées de Bakassa, géré par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens au nord-ouest. Amnesty International a pour sa part demandé à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête pour crime de guerre sur 3 frappes aériennes sur la bande de Gaza qui ont fait 44 morts, dont 32 enfants, en avril selon l'ONG. Un village à flanc de colline a été entièrement détruit par l'effondrement vendredi matin d'un pas du mont Mungalo. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir après le glissement de terrain survenu dans la nuit de jeudi à vendredi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Selon les autorités de ce pays du Pacifique, plus de 2000 personnes ont été enterrées vivantes dans la catastrophe qui a également causé d'importantes destructions. Il est très peu probable que les secours retrouvent des survivants compte tenu de la gravité du glissement de terrain et du temps qui s'est écoulé depuis qu'il a eu lieu, a déclaré à l'AFP Neil Craer, représentant de l'UNICEF en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Selon lui, il ne s'agit pas d'une mission de sauvetage, mais d'une mission de récupération des cadavres. Les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont entamé l'évacuation d'environ 7900 personnes menacées par un possible nouveau glissement de terrain dans les routes terres du centre du pays. Ce week-end, les autorités avaient déjà évoqué un bilan d'au moins 670 morts. Sur place, la situation reste toujours instable. Poursuivons avec Volodymyr Zelensky qui est attendu ce mardi à Bruxelles où il doit signer un accord bilatéral de sécurité pour renforcer les moyens militaires de Kiev. Cette visite en Belgique du président ukrainien intervient lors d'une tournée dans plusieurs capitales européennes qui doit le conduire plus tard ce mardi à Lisbonne. Lors de son étape à Madrid, lundi, il a appelé l'Occident à contraindre la Russie à la paix par tous les moyens. L'Europe est à un moment inédit de son histoire qui l'a contraint à penser à elle-même, sa défense et sa sécurité, a déclaré depuis l'Allemagne Emmanuel Macron face notamment à une Russie qui sera là demain après-demain. Et pour finir, la marine française a saisi 2,4 tonnes de cocaïne sur un navire de pêche vénézuélien en Atlantique à 820 nautiques, environ 1500 km au nord-est de la Martinique, en fait savoir le lundi 27 mai 2024 les forces armées aux Antilles. D'après les informations du journal Le Monde, l'opération a été réalisée par l'équipage de la frégate Ventose sur la base d'informations transmises par la Direction générale des douanes en association avec l'Office anti-stupéfiants, selon la page Facebook des Forces armées aux Antilles. Les militaires, après une phase de relocalisation par l'hélicoptère embarqué Panther, ont procédé à l'arraisonnement du navire et à la saisie de 81 bahuts de cocaïne, a précisé le communiqué. Les membres d'équipage et le cargaison ont été remis en mer aux autorités vénézuéliennes, a-t-il poursuivi, relevant que cette 7e saisie de l'année 2024 porte le bilan des forces armées aux Antilles à plus de 12 tonnes de produits stupéfiants retirés des réseaux de distribution. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à demain.